je suis très heureux de vous présenter Mophi. Donc Mophi, c'est la contraction de Mobile Office. Concrètement, on a un logiciel pour améliorer l'occupation des salles de réunion et des bureaux dans les entreprises. On a fait un constat assez clair de l'évolution de l'immobilier d'entreprise. Un collaborateur aujourd'hui, pour joindre son poste de travail, il met jusqu'à 15 minutes. Il y a entre 20 à 50% des salles de réunion qui sont réservées, qui ne sont pas utilisées. Et les nouvelles façons de travailler font qu'il y a à peu près 50% des bâtiments qui sont sous-occupés. En fait. Donc chez Mophi, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une solution qui permet d'améliorer l'occupation d'un bâtiment. Donc je suis dans un bâtiment, on s'interconnecte avec les objets connectés du bâtiment pour lui donner des meilleurs usages. Par exemple, la détection de présence dans une salle de réunion. Ça va être, j'arrive dans le bâtiment, j'ai de la détection qui me permet de me guider dans le bâtiment parce que le bâtiment fait 10 000 m2, donc on va améliorer le guidage. Donc ça, c'est une partie dans le bâtiment. Mais pas que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi le collaborateur quand il est à l'extérieur. Donc ça veut dire, je déclare du home office, j'ai la possibilité d'aller dans une antenne de mon entreprise, ou également, je peux accéder, je suis commercial, j'ai besoin de faire une réunion de travail, je peux accéder à un espace tiers-lieu, un espace de coworking, une salle de réunion à l'extérieur, qui sont référencés sur la plateforme de Mophi. Nous, on est multi-bâtiment, c'est-à-dire qu'on veut que l'utilisateur, l'occupant du bâtiment, puisse aussi avoir accès à d'autres endroits. Au niveau de l'équipe, on est donc 5 collaborateurs, donc je suis cofondateur avec Edouard. On est tous les deux sur la partie business développement. Et après, on a 3 collaborateurs, une personne qui s'occupe du design. Et puis 2 docteurs en informatique qui s'occupent de toute la partie intelligence de l'outil. Et on a aussi la chance d'être accompagné par Dominique Réra, qui est par le réseau Entreprendre Nord, qui lui est un ancien de chez Atos et qui a été également CEO de Velka. Donc notre business model, il est orienté sur de l'abonnement. Et après, on a tout ce qui est frais de setup, c'est je veux intégrer de l'objet connecté, de la lumière connectée, je veux l'intégrer à la solution Mophi, je vais avoir des frais de setup. Et la dernière particularité, c'est l'apport d'affaires. C'est je suis collaborateur de la Banque Populaire, je me déplace en région parisienne, je vais avoir accès à une salle de réunion, je vais aller dans un des sites partenaires de Mophi, un espace de coworking, je vais réserver, je vais payer. Et donc nous, on a une commission sur les frais d'apport d'affaires auprès de l'espace de coworking. Donc sur les 2 prochaines années, on se concentre sur la France. Aujourd'hui, il y a énormément. En fait, on s'adresse. Notre cible prioritaire, c'est les bâtiments de plus de 5 000 m2. L'étape internationale, c'est pour nous à 2022-2023. Ok, merci beaucoup. On est arrivé au bout du temps qui vous était accordé. Et merci. Merci à vous. Merci.